quoique ça va peut-être le faire. Non. Non. Fils de pute. Fils de pute. C'est pas possible. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, fils de pute de merde. Salut, 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 c'est Comme Get Some et bienvenue sur Mafia épisode numéro 4. Nous sommes toujours sur la définitive édition et de retour avec Tommy dans l'histoire principale Fairplay. Nous lançons tout de suite la cinématique, c'est parti. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Polly and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gouge-jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload, but not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Ok, donc, on va aller parler à l'ami Ralph, qui est derrière, normalement. Toujours au même endroit. Dans son garage. Buonasera. Ça veut dire bonsoir. Hey, Titi Tommy. Big day coming up, right? You seen the race before? Kind of hard to miss. Celieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is, then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. Sure. Then there's this other guy, Lucas Bertone. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, you know, tune it a little. J'aime bien ce genre de truc. J'aime bien, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je ramène la caisse sans un pet. Et ça, c'est chaud. Surtout pour moi. Oh, hey, if you need somewhere to keep your motor safe where no one can take them, feel free to use the garage. Carlo finally got around to clearing it out. Thanks, good to know. Voyons voir. 6 véhicules sur 38. Très bien. Est-ce qu'on a un meilleur véhicule que ça? Ouais, ça fait bien ça, la bol du V8. Alors ça, c'est des véhicules qui sont débloquables. Qui sont débloquables, enfin, surtout la voiture, celle-là. C'est la voiture de Mafia 3. Mais moi, celle que je veux, c'est celle-là. Celle-là me va très bien. Ajouter des véhicules au garage en les conduisant, c'est super. Eh bien, écoutez, on passera notre temps à faire ça aussi, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, inutile d'avoir des problèmes avec la police directe.
On va essayer de prendre un peu d'avance sur la voiture qui est derrière nous. Parce qu'évidemment, il fallait qu'elle soit là au moment où on sort. Et après, on accélérera. Hein, parce que ça risque de durer longtemps, cette mission, je pense. On est parti pour une grosse demi-heure, voire plus. À mon avis. Surtout que je pense me souvenir que le garage, il est vraiment très loin. Oh, la dépanneuse, attendez, attendez, je suis pas sûr. Ouais, ça y est, il commence, le mec il commence. Oh, reviens là, enfoiré. Bon, c'est pas grave. On fera ça plus tard, c'est peut-être pas le jour, c'est peut-être pas le moment. On se casse. On se casse, je ferai ça plus tard. On en recroisera, si on a croisé une ici, on la recroisera plus tard. C'est pas grave. Ce mec là a de la chance. Ce mec a vraiment de la chance. Mais ok. Ok, pas de soucis. Prenons de l'avance. Enfin, rattrapons notre retard. C'est plus juste de dire ça, je pense. Ah bah ça va, c'était à côté en fait. You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's a friend of mine. And if you got the money, sure. Allez, c'est parti, je te suis, mon gars. Mon gars, je te suis, t'inquiète. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. I hate it. Ah, come on. Name a better place to pick up a date than this place this weekend. Aller très vite. Don't get me started. C'est chronométré. Je déteste quand c'est chronométré. Je déteste ça. Oh, il y a un petit truc à récupérer là. Est-ce que je peux le récupérer maintenant ou pas? Je ne suis pas certain. Je ne pense pas. À mon avis, ce sera pour plus tard. Je regarde vite fait. Ah, quoique. Regardez. Regardez ce qu'il y a là. Une petite carte de cigarette. D'ailleurs, les amis, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois ce qu'on avait récupéré. Et je vais déjà vous montrer la carte de cigarette Luigi Marino. Voilà. Avec le détail. Vous mettez sur pause. Et on a oublié de regarder. Alors, le renard, on s'en fout. Par contre, on a récupéré un gangster Monsley. Voilà, très sympathique. Ah bah ça, c'est le début de... C'est le début de l'histoire, du coup. Très bien. Le Super Saiyan, on avait regardé. Le Terror Tail, on n'en a pas. Black Max non plus. Par contre, on a le Dim Mag... le Dim Detective. C'est celui-là. Voilà. Très sympathique. Les visuels sont quand même très, très cool. Ça, c'est fait. On va sortir, j'imagine, le véhicule du garage. On va éviter de le bunier, c'est tout ce que je veux. Oh, sympatoche. 1929 Carazella C Series. Le top du top, ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. If they see this on the road, cops are gonna ask questions. When they catch up, sure. Try to keep it one piece too, huh? So, I gotta be back from Bertone by 1:30 before the next guy shift. Yeah, he's an ass. I heard. On n'a pas des masses de temps. Il va falloir bombarder. Mais pas trop. Il va falloir bombarder mais pas trop. J'ai pas envie d'abugner. Surtout que... Elle est maniable mais... voilà, vous me connaissez. Hein. C'est un peu tendax. Moi j'aime pas trop ce genre de... De mission, putain! Et voilà, et merde! Bordel! C'est quoi cette merde aussi? Au bout d'un virage! Putain! Bon, visiblement, je peux la bugner. Peut-être sans trop la bugner. Arrêtez! Arrêtez un peu! Arrêtez, bordel! Il me coupe la route! Bon, c'est mort, hein, la bagnole est morte. Elle est déjà morte, c'est pas grave. De toute façon, il faut avancer. Elle dérape de fou. Elle dérape de fou. Putain, il me coupe la route, ce con, là! Oh, la voiture, elle a rien, elle a pas... elle a rien du tout, la voiture, tout va bien. Allez, putain, avance! Ah bah oui, bah la police, on va aimer ça, évidemment. Évidemment, la police, ils vont pas aimer. Qu'est-ce que vous croyez? Évidemment, ils vont pas aimer.
Ah, arrêtez! Mais c'est grave loin en plus! Comment je peux faire là? J'ai pas le temps! Arrêtez un peu! Comment je peux avoir le temps là? Sans deck! Je me tape les flics. Ok, il fallait ramener à lui là. Ouais, mais je vais jamais avoir le temps moi de... Tommy Angelo. Lucas Bertoni. Oh, ain't she a thing of beauty? We don't have much time. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Ouais, t'as intérêt à tout pouiller, mon gars. Hello, you. Je sens que je vais un peu galérer. C'est déjà le deuxième essai. Je vous passe le premier, évidemment. Vous n'avez pas besoin de voir ça, surtout que c'est juste une histoire de timing là. Mais ça va être relou, hein. Ça va être relou parce que quand on se fait poursuivre par la police, on n'a plus GPS, donc on sait plus où aller. Et de toute façon, on peut pas forcer, on peut pas aller à fond. Donc faut prendre le bon chemin direct. Il faut pas niquer le moteur. Et ça, ça autant vous dire que c'est compliqué. On va laisser refroidir un peu. En plus, la voiture, elle conduit nimp. Les gens, ils font nimp sur la route. Je suis obligé de les esquiver. Que voulez-vous faire? Chers amis, que voulez-vous faire? À part lâcher votre like et vous abonner. Que voulez-vous faire? Ce serait déjà pas mal, ma foi. Oh, arrêtez, arrêtez un peu. Enfin, parce que je touche là sur le côté un muret de merde que... Voilà, quoi. Arrêtez, vous conneries un peu. Allez. Si je ralentis pas, l'autre qui va me presser les burnes. Côté du flic là. Voilà, il a rien dit. Oh, arrêtez! Arrêtez! Arrêtez ça! Je l'avais dépassé depuis longtemps! Putain! Sans déconner! Arrêtez un peu! C'est quoi ça? Casse-toi toi, putain! C'est trop loin en plus leur connerie là. C'est pas cool hein, c'est vraiment pas cool cette mission de merde. Je suis grave loin. Jamais y arriver en casse de ah, si je passe loin mais. Qu'est-ce que vous voulez faire. Allez. Ah, non, je peux pas. Je peux pas gros, je peux pas. J'ai passé le truc, mais je peux pas. Si c'est passé. Attendez, on va voir. Je suis pas certain. Mais c'est peut-être passé, en fait. À une seconde près. Hein. La voiture est défoncée. Hein. Heureusement qu'ils font pas gaffe aux dégâts du véhicule, parce que sinon c'était mort. Ça, on est bien d'accord. Elle est toute niquée. So Sam walks out of the bathroom, and I'm praying he's got a piece on him, because I'm not sure the bartender's gonna hand over what he owes. And his two sons, they're inching closer. I can hear them cracking their knuckles. They're both 7 feet tall, built like brick shit houses. What were you carrying? My dick. Trop drôle, trop drôle. Tout le monde valide cette blague. C'était de la merde. C'était vraiment de la merde ta blague. What, he didn't call the cops? Nah, sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got a moment? Oh. Sure, Frank. We've got a bit of a situation. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night.
Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. Yeah, tougher luck for Mikey. Anyway, you're going to race for him. Quoi? What? Frank, Tom, I don't know. It's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. But Don wants to win. But more importantly, he wants Morello to lose. And you are our best wheelman. Otherwise, I'd be talking to someone else. Okay. Yeah. Okay, Frank. Good. Rafi has the car gassed and ready. Get to the track right away. Je sens que ça va être un bordel. Je sens que ça va être un bordel. Ah, il nous regarde, on est en mode... c'est la merde. T'as pas le droit d'échouer, en vrai. Mais très bien, très bien. Septième essai. Vous l'avez entendu à ma voix, je suis blasé. Je suis blasé, je n'y arrive pas. La course a beau être scriptée en partie, je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à... Casse-toi, mais arrêtez, putain. J'ai beaucoup de mal à passer les concurrents, à gagner en vitesse. Je me fais niquer par le véhicule parce que ben, les roues font qu'on s'accroche avec tous les autres. Et je suis 11e, ce qui est une très mauvaise place. J'espère pouvoir rattraper un ou deux véhicules en plus là, mais comme je touche à chaque fois, c'est complexe. Il y en a toujours un qui se fait avoir ici, donc ça c'est scripté, on le sait maintenant. Au bout de 7 tentatives, on le sait. Je suis 8e, d'habitude j'arrive à être 7e, là je suis 8e. Bon, ça fait une place de moi. On va voir si je peux en prendre un ou deux. Ah bah non, bah oui, bah évidemment, je me fais même niquer, tiens, allez. Continuons comme ça, vous avez raison. Vous avez raison. Je me fais même niquer dans toute la... partout, dans tous les sens, voilà. C'est gangbang, c'est gangbang. Regardez comment c'est pourri ces bagnoles de merde, là. Ça s'accroche par les roues, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Les mecs sont plus rapides que toi. On a les mêmes bagnoles, mais ils sont plus rapides. Casse-toi, fils de pute. Ah, je suis grave loin. Je les vois à peine sur la carte. C'est super. J'ai plus envie de rire, là. Franchement, j'ai plus envie de rire. Je me dis, je suis tellement blasé que j'ai plus envie de rire. Du tout. Arrête. C'est pas parce que tu freines comme ça que ça, hein. Arrêtez un peu. Arrêtez tout de suite. Oui, je vais me prendre le sable, maintenant. Hein, on est plus à ça près. Toujours 8e, hein, au passage. Les mecs devant sont grave loin. Je les rattraperai jamais. Je peux pas en venir un ou deux comme ça. Casse-toi. C'est pas bon d'être collé aux autres comme ça. S'il y avait 10 tours, peut-être que ça passerait. Mais comment voulez-vous que ça passe comme ça? C'est vraiment, vraiment compliqué. Ok. Quatrième, mais bon. Les deux premiers, là. Là, pour les rattraper. Pourquoi lui, il est en rouge? Je comprends pas. Quatrième, on a deux devant. Et l'autre, il est trop loin devant. Il est beaucoup trop loin devant. J'espère que c'est celui qui est scripté. Il se pète la gueule un peu. On a vu qu'il soit scripté, lui. Casse-toi, putain! Pourvu qu'il soit scripté, sinon c'est la merde. Je
la merde. Et en même temps, t'as beau terminer, enfin entre guillemets, terminer. Non, tu termines pas, mais t'as beau être premier au dernier tour, tu te fais niquer aussi. Donc. Ça c'est l'expérience qui parle, hein. Donc voilà, hein. Vous connaissez la suite. Casse-toi. Ce serait bien que lui se nique tout seul, mais j'y crois moyen. Est-ce qu'on peut bien négocier ce virage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut bien négocier le virage? Voilà, bon, ça c'était scripté. C'était scripté. Le problème, c'est que derrière, ça va arriver très très vite. Genre, vraiment très très vite. Est-ce que je vais pouvoir terminer en tête, cette fois-ci? Oui, ça m'a l'air bon. 7 tentatives. 7 tentatives. Vraiment, j'en ai chié. Tommy, there's our winner. Hey, Tom, just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. I'd be homeless now, not for you. Et moi, j'aurais pas pu terminer mon épisode si j'avais pas, si j'avais pas réussi, si tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure, thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. Amarillo's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Hey, what about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here. C'est moche. Every dollar of this. Take your girl out somewhere nice. Thanks, boss. What's up, boys? You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and horse. Huh? J'ai pas encore de copine, nah, mais... Maybe I'll buy my elle me plaît. Good boy. Go get yourself a drink. Congratulations, big hero. Salut toi. I just got lucky, so. Well, I had my money on the other guys, so. Drinks are on you. Cool. There. Now you're ready for the pictures. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's ça, gonna get hit fou. By a parked car. Yeah, okay. I'll get him home safe. Alors, quoi de neuf? Polly and the rest of your pals have drunk through half my bar already. Pas du you found tout. Him yet? That's all for another year, folks. Track will be open until 6. Yuma made that look easy to Tommy. When they started racing here 20 years ago, ouais, those guys didn't even make the finish. Ah, magic's in the motor, Ralph. I just showed him where to go. Hey, you seen Polly? Don't know. He said he was a... Très bien, très bien, très bien, très bien. Okay. You enjoy yourself. Sure will, Tom. Très bien, je m'en fous. That win just put my daughter through another year at school, Tom. Hey. Anything for the colettis. Well, okay. Enjoy the moment. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. I've been asked by the LHPD to remind all racegoers that the sale and consumption of alcohol is strictly prohibited. And arrest will be made. Thank you. Ah, il y a un petit magazine là-bas. Race champ. Hey, last time I saw you drive like that, Tom. C'est pas faux. You saying there wasn't one today? When our side of town is drowning in dough, that means you're safe. Hey, you seen Polly? Guys, stop. Marchant crabe. Yeah, I heard. Last year I heard the motors for my apartment. Tiens, on va récupérer ça déjà. Hop, le dim détective. Voyons voir. Le dim détective. Sympathique. Oh, les diams, juste sous la semelle, pas mal. Pas mal, Giovanni Panzani, que c'est pas mal. How'd she drive after the tune-up?
Tried to go sidelong at a five brick walls, but we made carrément, it. You seen Polly any place? Came by 5 minutes ago, maybe. Looked like it had a smell from the barrel. Ouais, je vais le retrouver. T'inquiète, right. t'inquiète. Thanks, Lucas. Ça va le faire. Alors, où est-il ce bougre? Sympa le petit orchestre. Qu'est-ce que c'est? Les résultats. Je peux pas essayer des nouveaux véhicules? Ah bah tiens, il est là. Enfin non, je sais pas. D'accord, il est où ce con? Ah, il est là-bas. Je l'avais pas vu, il est là. Ah ouais, effectivement. Mal en point. What does the bird say? I don't know, but the security guy back there says you gotta go home. That's an asshole. You should show some respect. Well, that's true, but I'm saying you gotta go home too, before you resurface the pit lane. Well, okay then. I guess. Let's go, Jim. Voilà. On va l'amener tranquillement à la bagnole. Viens vers la bagnole, s'il te plaît. Je te ramène chez toi, là. Au lieu de faire de la merde. Il est complètement bourré, ce mec. Allez, on se casse. He did real good today, Tommy, with the driver. I was right. I was right when I found you. You know what I said? Non, je m'en fous. T'es bourré. Ça veut rien dire. I said this guy can drive. Don Salieri. Dit de la merde. This is a guy who can. Même si c'est sympa, il dit de la merde. Tais-toi un peu. Dors. Here we are. Et ne gerbe pas dans la caisse, s'il te plaît. That's where we are. Put me to shame, Tom. Look at you. Voilà, ça y est. Now you're even a. Il est jaloux en plus. Attends que je me fasse la fille, la jolie fille. Tu vas voir, on va être encore plus jaloux. Non, parce que la suite on la connaît. Hein. C'est sûr que la meuf qu'on a vue là, qui d'ailleurs est très très mignonne, c'est sûr qu'il va être jaloux. Hein. Enfin, c'est certain. Enfin, moi j'en suis certain. Il y a un problème avec cette meuf, c'est sûr. Just like you. You're like me, you can't just shut it down, blank it out like Sam does. Go home to wherever the hell he goes home to. Polly, you're drunk. Exactement. J'aurais pas dit mieux, tiens. Je n'aurais pas dit mieux. Ah ouais. I'm not helping you with that today. Bah écoute, moi aussi, mais je le dis pas. Je ne le dis pas. Ayez un peu de respect, s'il vous plaît. Take the bridge over to the island. Take me to the ladies. Take me to those sweet patooties. Home. Ouais, ouais, voilà. Il vaut mieux que tu rentres chez toi parce que. Vas-y, rentre chez toi. Allez, tu me fais perdre mon temps là. Casse-toi un peu. Sweet dreams, tough guy. Yeah. Il va gerber dans la caisse, enfoiré. Bon, c'est terminé, enfin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre like. Je le mérite, là. Je le mérite, vraiment. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre, le prochain épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis, bien sûr, activer la petite cloche. Un petit commentaire, ça me permet d'interagir avec vous et c'est toujours cool quand vous les mettez, donc merci à ceux qui le font. On se retrouve très vite. Ah, ciao, bye.